Tous et à toutes, bienvenue. Encore une joie de se retrouver dans cette émission Qu'en dit la Bible de MLK. Et on explore les textes, on va aller gratter, on va fouiller, on va essayer de mettre des racines, on veut trouver vraiment des clés spirituelles pour nous. Et on est vraiment avec un grand thème encore aujourd'hui avec Nathalie. Bonsoir à tous. Ouais, ça va bien. Et on est dans Ésaïe 53. Je ne sais pas si vous avez déjà été impacté par un texte de l'Ancien Testament, où quand vous le lisez, voilà, il y a des choix, des choses qui vous paraissent un peu étonnantes. Et c'est tellement grand, quand on regarde Ésaïe 53, de quoi ça parle, pourquoi est-ce que ce texte qui a été écrit est là. Ésaïe, c'est vraiment un grand monsieur, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament, qui est vraiment reconnu dans le monde juif. Et on veut vraiment aller voir en fait, comment ce texte peut encore nous donner toute sa substance et comment est-ce qu'on peut faire le lien avec l'Évangile, avec les récits qu'on trouve dans l'Évangile. Donc on va aller gratter avec Nathalie encore aujourd'hui. On va lire un petit peu, on va regarder un peu le contexte, regarder un peu la présentation du chapitre, on va lire un petit peu ce texte qui est là. Et on vous encourage vraiment à méditer, lire la Bible, vraiment à vraiment chercher. Tu nous parles un peu de ce chapitre, ou de ce d'Ésaïe. Des grands prophètes de l'Ancien Testament, hein, c'est vraiment des gens qui sont là. Son ministère a duré très longtemps, plus de 50 ans, ce qui fait qu'en fait, entre les premiers chapitres d'Ésaïe à la fin, en 50 ans, il a été conduit en fait sur plus de 4 royautés dans des domaines avec divers royaumes, ce qui fait que l'écriture a un peu changé. 66 chapitres, qui correspond au nombre de chapitres qu'on a dans la Bible. On a 66 livres de la Bible, 66 chapitres d'Ésaïe. Étonnamment, en fait, on dit que chaque chapitre en fait, correspond aussi au livre de la Bible. Donc regardez ça, il y a tous les textes qui correspondent à l'Ancien Testament, puis il y a une grande partie prophétique, et on va aller dans les textes du Nouveau Testament. Ésaïe 53, c'est la partie la plus tardive. Donc vous comprenez pourquoi on va faire le lien avec l'Évangile comme ça. Voilà, Ésaïe. Donc Ésaïe, tu as donné le contexte, un prophète dont les prophéties ont été réalisées, notamment concernant les Perses, Babylone, où il a vu des règnes arriver et qui se sont réalisés. Et là, on va aller précisément, mais en fait, dans le découpage, comme l'a déjà dit Patrick sur les autres émissions, parfois il y a des découpages pour nous aider à trouver les textes, mais dans la culture juive, en fait, Ésaïe 53 démarre en fait au 52, verset 13, puisque vraiment, c'est un recueil qui parle du serviteur souffrant. C'est comme ça qu'il le nomme. Et donc, on doit commencer en fait, cette lecture avec Ésaïe 52, verset 13, et lire tout le 53. Alors, peut-être qu'on y va. Oui. Je peux lire. Donc, voici mon serviteur prospérera. Donc, on est 52, 13. Hein. Exactement. On veut comprendre Ésaïe 53. Comprenez que souvent dans nos découpages, alors juste peut-être, je ne sais pas si on l'avait situé, dans nos Bibles à nous, si vous prenez la table des matières, vous allez avoir le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, qui correspond à la Torah, la Bible juive. Vous avez après pour nous livres historiques, les livres prophétiques, puis après les livres prophétiques. En fait, quand Jésus en parle, lui, il découpe qu'en deux volets, il dit les psaumes et les proverbes. Les psaumes et les prophètes, ou alors les psaumes et les prophètes. Donc en fait, notre découpage à nous n'est pas forcément le découpage de la Bible juive. Et donc quand on lit le texte, je vous le dis à chaque fois, attention, parce qu'on est captif en fait de ces références, alors que quand on veut vraiment comprendre la substance, et dire, vous auriez pu nous le dire la dernière fois, on le fait exprès parce qu'on veut que vous ayez des références et des réflexes. Donc on est à 52-13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect est différé de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qui ne l'avait point entendu. Qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards.
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Fabuleux, hein, l'écriture, elle est incroyable. Ésaïe, il a un style, hein. Il parle d'une personne, il parle d'un serviteur, il parle d'un homme. Et on a toute une attitude, il y a des textes, vraiment, il y a une précision, hein, dans les mots qui sont cités là. Et on se rend compte vraiment que ce qu'il raconte là, Moi, je trouve ça étonnant, en fait, la précision des mots et l'intensité, en fait, du texte qui est donné. C'est-à-dire que c'est pas seulement des choses qui sont citées là. On voit vraiment une exécution. On voit quelqu'un qui est en souffrance. On voit quelqu'un qui porte. On voit quelqu'un qui, à un moment donné, il y a un très grand travail dans son âme. On sent dans les mots qui sont cités ici qu'il y a un enjeu qui est bien au-delà de la mort de cet homme ou en tout cas de la vie de cet homme qui est donné ici. Et c'est vraiment étonnant, en fait, que Ésaïe, en fait, va citer ce texte, en tout cas, va, dans le livre d'Ésaïe, on va pouvoir citer ce texte avec une telle émotion. Enfin, moi, il y a une émotion, une intensité qui vraiment me touche. Voilà. Je trouve que quand on lit ce texte, on ne peut pas juste le lire comme ça. Et puis, d'un seul coup, on sent qu'il y a une portée qui va bien au-delà du mot. On lit le mot, mais on dit de quoi ça parle, où est-ce que ça m'emmène. Et y a quand même des détails qui sont là, de quoi ça parle. Alors, les Juifs ont beaucoup réfléchi par rapport à ce texte. Oui. Il y a plusieurs théories. Et, la première, c'était de dire que ce personnage, comme il personnifie la souffrance, on va dire, hein, une souffrance, oui, jusqu'à la mort, oui, pouvait être Job, puisque le texte de Job est un... Donc, Job est situé dans les patriarches. Et Job est vraiment le livre de la souffrance à son paroxysme, oui, hein, on peut dire. Et donc, il y avait toute une interprétation des anciens... théologien juif qui disait ça doit être Job, puisqu'on retrouve tous les éléments de la souffrance, sauf qu'en fait Job ne porte pas le poids du péché, oui, et surtout n'est pas une victime expiatoire comme c'est dit là, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, etc. Oui. Donc cette théorie-là a été assez vite balayée. Oui. Ensuite on a pensé à Joseph, hein, ils ont pensé à Joseph en disant dans ce texte-là il y a de la souffrance, mais il y a aussi l'innocence de quelqu'un qui paye pour d'autres, alors qu'il est innocent. Donc, quand on lit l'histoire de Joseph, on se dit qu'effectivement, Joseph, il vit des injustices, alors qu'il est lui-même pas du tout... Enfin, qu'il n'avait pas commis de... En tout cas, la Bible ne rapporte pas de fautes commises par Joseph, oui, si ce n'est d'avoir révélé les rêves qu'il avait, et on ne sait pas de quelle manière il l'a fait auprès de ses frères. Oui. Mais très vite, les théologiens juifs sont dit, sauf que Joseph non plus, il finit, alors son tombeau est bien parmi les riches puisqu'il est enterré en Égypte au départ, oui, mais c'est pas du tout fait comme quelque chose de dédaigneux ou de, au contraire, quand il y a le texte qui est fait, c'est presque normal qu'il soit enterré là, puis après ses os vont être amenés. On n'est pas dans, il a été mis, ouais, au tombeau avec les impies, les moins et que rien. Par, oui. Donc très vite, l'hypothèse de Joseph tombe. Après, il y a eu des hypothèses sur Moïse, mais on se rend compte que ça colle pas non plus avec l'esprit dans lequel Ésaïe a rédigé ce texte. Et donc,
Là, les commentateurs juifs ont beaucoup de difficultés puisqu'ils se sont dit, bah, finalement, ce texte concerne Israël, soit Israël dans son ensemble, qui est une nation qui souffre pour le salut des autres. Voilà, c'est cette nation-là. Et, ou alors c'est un petit reste qui, du coup, Ésaïe écrit ça avant l'exil. Oui. Ou alors c'est ce petit reste qui va être en exil plus tard et qui représente vraiment ceux qui vont souffrir pour la cause de Dieu. Sauf qu'en fait, Israël n'a jamais été un peuple innocent puisque tout l'Ancien Testament nous montre que Israël pêche, oui. Dieu les châtie. Ils reviennent à Dieu, Dieu les restaure, Israël pêche, Dieu les châtie, etc. Et que c'est un peu un cycle habituel d'Israël et non pas une nation innocente qui n'a jamais commis de péché et que d'un seul coup aurait un châtiment pour payer le péché de toutes les nations. Oui. Donc, ce texte ne concerne pas un ensemble de personnes ou un peuple, mais concerne bien une personne. Et certains théologiens juifs disent, bah, du coup, il nous reste une option qui est concerne le Messie. Donc ce serviteur souffrant serait le Messie, sauf que c'est confronté à la vision d'un Messie qui doit venir comme un roi, qui doit établir un règne de paix, qui doit dominer les nations, et ça ne colle pas avec... Donc il y a une espèce de confrontation entre ceux qui voient le Messie comme ce roi et ceux qui voient le Messie comme ce serviteur souffrant. Et donc on en est là aujourd'hui. Donc certains commentateurs éliminent d'entrée le fait d'avoir que la personne qui est décrite là puisse être quelqu'un qui va souffrir jusqu'à une mort imméritée, et d'autres qui disent c'est possible puisqu'il y a une part du Messie qui pourrait être ce serviteur souffrant. Voilà pour l'interprétation, en tout cas juive, des textes. Et donc maintenant, peut-être rentrer dans une interprétation plus concrète, en tout cas pour ceux qui ont une révélation, on va dire pour les chrétiens, de dire est-ce que ce texte correspond du coup à un Messie qui est déjà venu ou pas. Donc, est-ce que tu veux peut-être à nous conduire dans des textes du Nouveau Testament qui montreraient qu'on pourrait trouver des similitudes entre ces textes? C'est étonnant, c'est-à-dire que si on prend par exemple ce que tu disais sur l'Ancien Testament avec donc, le livre des Juges, c'est le livre en fait, des éloignements en fait, du peuple avec les apostasies. Donc cette fois, vous avez la logique de « j'abandonne ». Donc du coup, je suis sous un domaine en fait de conséquences en fait d'abandon avec déportation, etc., souffrance. Après, il y a prise de conscience en fait de l'éloignement de Dieu, donc cri de repentance et prise de conscience, retour à Dieu avec le demande de pardon, rétablissement. Et en fait, il y a ce cycle sept fois, ce qu'on appelle le cycle de l'apostasie, qui est en fait l'abandon de la foi concernant Dieu. Donc effectivement, quand on lit le texte, on se retrouve avec des pluriels. Nous étions tous errants comme des brebis. Puis après, il y a des singuliers. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il y a toujours un peu cette espèce de dualité dans le texte qui fait qu'on est sur du un ou sur du plusieurs. Donc, effectivement, on peut se poser la question, du coup, à un moment donné, de ce texte-là, comment est-ce qu'on peut le classer et comment est-ce qu'on peut effectivement faire une unité qui est une. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que derrière tout ce qui est en train de se passer ici par rapport à cet homme, verset donc 53, verset 1er, qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, pour dire qu'à un moment donné, dans cette histoire-là, celui qui agit, c'est Dieu. Pareil, premier livre de la Bible, hein, livre de tous les commencements, avec la Genèse, Béréchit, hein, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, tout vient de Dieu. Donc si vous comprenez, tout vient de Dieu, tout vit par Dieu, et quand c'est vécu par Dieu, tout revient à Dieu dans la gloire. Donc c'est une espèce d'unité qui fait que les choses commencent toujours par Dieu. Et là, encore une fois, dans l'histoire qui nous est racontée ici, c'est ce verset qui nous dit effectivement qui a reconnu que c'est le bras de l'Éternel qui est en train de dire. C'est la volonté de Dieu. Ces choses qui sont là sont vraiment de la volonté de Dieu. Après, on va lire. Alors donc, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni éclat ni beauté pour porter nos regards. Mais de qui on parle? C'est vrai que la question, elle se pose quand on lit le texte en première lecture. De qui parle-t-on? Parce que nous, on a envie de comprendre. C'est-à-dire, quand on a un texte comme ça, peut-être que c'est votre cas, quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez la première lecture qui est peut-être très linéaire, puis après, vous revenez dans le texte, vous le relisez une deuxième fois, une troisième fois, vous regardez, puis au bout d'un moment, vous avez ce questionnement avec Dieu, de dire, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Comment ça me parle à moi? Comment est-ce que je peux m'approprier le texte? Comment je peux mûrir le texte? Comment je peux m'en nourrir et le maturer? Pour qu'en fait, je comprenne de quoi est-ce qu'il est question. Parce que l'objet,
si c'est qu'une lecture linéaire, de Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? La question, c'est qu'est-ce que tu veux me dire ? Donc, on est effectivement avec ce texte qui nous interpelle. Et vous avez une question qui est très précise, vous avez vraiment un cheminement qui est là, vous voyez vraiment un parcours qui est là, jusqu'à effectivement l'abandon, à la fin, jusqu'à son ensevelissement. Alors là, on se dit, tiens, il y a une mort. Est-ce qu'il y a eu d'autres morts, en fait, dans la Bible qui peuvent nous aider à voir un petit peu ces choses ? Ah ben des morts, des ensevelissements, il y en a eu beaucoup hein, dans l'Ancien Testament. Donc on essaye de regarder, comment est-ce qu'on peut sortir en fait, de cette lecture pour dire, mais en fait, Seigneur, mais de qui tu parles ? Alors, déjà, il y a plusieurs éléments qui nous font penser, parce que là, on voit qu'il s'est livré lui-même à la mort. Oui. Donc, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de gens, hein, d'hommes, qui vont se livrer volontairement à la mort. Non. Et c'est surtout, quand on voit 52, dans 52, on a... Il s'élèvera, il montrera, voilà mon serviteur prospérera, il montrera, il s'élèvera bien haut. Et en fait, c'est le même terme qu'on retrouve dans, quand Ésaïe parle de Dieu. En fait, c'est quelqu'un qui est élevé là-haut, quand on a le tétragramme Yahweh, etc. Quand Ésaïe parle... Alors, le tétragramme YHWH, c'est le tétragramme de l'Ancien Testament qui est le nom imprononçable de Dieu, donc les Juifs ne le prononcent pas, ils le lisent, mais ils le traduisent par Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament, dans les textes grecs, dès que vous avez ce tétragramme, donc quatre lettres qui sont accolées, donc WH, donc YHWH, donc Yod, E, Vav, E, on sait que c'est l'éternel Dieu Elohim, les dieux, Yahweh, le Dieu éternel. C'est ça, et en fait, Ésaïe utilise le même terme dans Ésaïe 6.1, oui. Où il dit l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et là, en fait, quand on commence ce texte-là, on voit que ce serviteur est en fait, au départ, élevé, oui. Au même rang que Dieu. Oui. Donc, on a une des premières définitions qui nous fait dire ce serviteur souffrant est d'abord issu de Dieu lui-même. Oui. Donc on a ça. Ensuite, on a toute une description de rejet, d'abandon de ce qui, oui. De souffrance, oui. Et puis de rejet, pas pour n'importe quoi, mais de rejet parce qu'il va porter le péché du monde, oui. Et qu'il y a un châtiment qui va justifier les autres va tomber sur lui. Et on est et après le fait qu'il se donne lui-même aussi par le fait qu'il n'ouvre pas la bouche. Et donc, dans la Bible, on a bien un personnage qui est issu de Dieu, va s'abaisser, va s'humilier, va souffrir de l'abandon, du rejet, va ne pas ouvrir la bouche au moment où il va mourir, puisqu'il va être frappé jusqu'à la mort. Yes. Et pourtant, il n'avait commis aucune faute. Il était innocent de tout. Et ensuite, on a vraiment une description, pour moi, de Jésus. Donc, je pense qu'on peut aller... directement sur Jésus. Directement, alors, oui. Je regarde, qui a cru ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Vous avez dans Romains 10, 16, en fait, nous tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe a dit, et là, d'un seul coup, l'Église, en fait, hein, l'auteur de l'Épître aux Romains, nous donne cette indication, crie, a cru à notre prédication, qui est directement... la référence en fait à Ésaïe 53. Et donc là, du coup, on voit donc, l'apôtre Paul, hein, épître de Paul aux Romains, il dit directement, en fait, il cite les textes d'Ésaïe pour raconter en fait quelle est sa prédication. Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d'Église, celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, quand même, avec toutes les épîtres et les révélations, dans lequel même l'apôtre Pierre dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre. C'est par révélation que Paul les a eues, que Paul les a eues. Ah non, pas Ésaü, mais il les a reçus. Et donc, effectivement, d'un seul coup, il va tout de suite raconter, avec une petite clé, la foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pour dire qu'à un moment donné, il y a un focus, il y a une clé de lecture qu'il faut avoir. Christ est celui qui va révéler, en fait, cette lecture. Alors, on peut peut-être aller, en fait, dans le Nouveau Testament. Du coup, on va aller peut-être lire dans un évangile. Oui. Je ne sais pas lequel... lequel en fait t'intéresse, qui peut être le plus intéressant. Tu voulais Marc, non ? Peut-être, on peut faire. Moi, j'aime bien,
J'aime bien Marc, mais donc on va aller dans l'évangile de Marc à la fin. Donc toujours pareil, les quatre évangélistes, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vont tous les quatre raconter de manière assez formelle, assez linéaire en tout cas, la crucifixion de Jésus. Et voilà, donc vous êtes dans Matthieu, dans Marc, pardon. Peut-être commencer Marc 14, 32. Ouais. On va sauter au fur et à mesure, mais peut-être donc commencer avec Gethsémani. Donc à partir de Marc 14, vous êtes sur l'histoire vraiment de la passion, c'est-à-dire ces derniers instants de Jésus. Alors on dit que c'est les 12 dernières heures, c'est les 24 dernières heures. Est-ce que c'est depuis le jardin? Mais là, on est effectivement. Donc on est Gethsémani. Donc regarde un petit peu, on essaie de juste balayer, vous êtes avec Marc 14. 32. Premièrement, on est sur. Alors, Marc 14, je démarre. On est sur un complot. Les Juifs ont décidé de faire mourir Jésus. Ensuite, vous avez le parfum qui est répandu sur la tête de Jésus qui est à Béthanie. Et en fait, vraiment, il y a encore une célébration qui, par avance, va annoncer la mort de Jésus. Célébration de la Pâque institution, hein, de la Sainte Cène, où Jésus est avec ses disciples et va vraiment leur raconter les choses. Où est-ce qu'on va faire la Pâque, etc. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, on est dans la scène. Ça, c'est mon corps. Et il le dit clairement, en fait, pour vraiment dire les choses. En vérité, l'un de vous mange avec moi, mais lui me livrera. On est au verset 17. Donc on est vraiment sur une trahison. Et on sent dans les versets qui sont là quelque chose qui ressemble aussi à l'abandon qu'on a lu dans Ésaïe 53. Verset 32, on est à Gethsémané, hein. Ils allèrent ensuite au lieu qui est appelé Gethsémané, hein, le mont du le Golgotha. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Donc on est sur le mont des Oliviers. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Tiens, on retrouve les mêmes mots. Il est dans un état d'esprit où on sent qu'il y a une espèce de pilonnement, d'écrasement, c'est comme une graine qu'on va vraiment complètement tamiser, écraser. Mais il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. L'abandon, hein, toutes choses sont possibles. Alors, si c'est possible, on voit vraiment la tentation, on voit vraiment le grand combat spirituel qui est en train de se mener, où Jésus est en train de parler. Il dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à cet endroit-là, il y a vraiment la tentation. Jésus dit, on va aller à la mort. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, éloigne-la, mon Père. Mais en même temps, on sent toute la puissance où Jésus dit « Non, pas ma volonté, la tienne. » C'est là que la croix va être... Je crois authentiquement que c'est là qu'il y a la victoire de la croix. C'est avant que la croix se passe, la décision de Jésus à ce moment-là de dire « Non, pas ma volonté, mais vraiment la tienne. » Puis ensuite, on va encore continuer, verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. » Ça, c'est 14-38. Puis ensuite, il y a l'arrestation de Jésus, verset 43, où là, on sent vraiment toute l'histoire qui est en route, la trahison, l'intervention de Judas. Ensuite, on va traduire Jésus devant le Sanhédrin, qui est présidé par Caïphe. Encore une fois, il y avait à l'époque toute une confusion. Normalement, il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. En fait, là, dans ce coup, on découvre qu'il y en a deux. Et donc, il y a tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas en termes de... En termes de politique, hein, de la part de la nation juive. Puis d'un seul coup, on voit vraiment l'éloignement avec Pierre, qui d'abord est très proche de Jésus, puis là, va suivre les choses vraiment un peu plus loin, comme nous, quelquefois, on suit Jésus d'un petit peu plus loin. Et voilà. Les 50, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc on est et là, encore une fois, on a ce passage qui est presque... ils sont partis comme des brebis qui n'ont plus de berger. Ben forcément, on attache le berger, donc les brebis se dispersent, tout le monde va partir. Puis après, on est dans Marc 15. Jésus va comparaître devant Pilate. Et là, effectivement, il va y avoir non seulement l'interrogation, mais la sentence de mort qui est confirmée avec « qui voulez-vous que je vous relâche ?» Est-ce que vous voulez que je vous relâche le roi des Juifs? Et en fait, encore une fois, Pilate, il y a encore un nombre de fois tentatives pour intervenir. Mais effectivement, les Juifs vont renoncer, donc Jésus va être crucifié. Donc à partir du verset 21, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. C'est Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Alors ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin, mêlé de myrrhe.
Mais ils ne prirent pas, ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir lequel chacun qui l'aurait. C'était la troisième heure. Alors, troisième heure, on est à 9h le matin, puisqu'en fait, l'heure est calculée à partir du lever du soleil. Quand vous avez troisième heure, le lever du soleil, c'est 6h. Donc ça, c'est l'heure officielle de lever du soleil, 6h du matin. Donc là, on est troisième heure, il est 9h du matin quand les choses vont commencer, quand ils le crucifièrent. Donc c'est là où ils le portent. Puis après, il y a une inscription qui porte le sujet de sa condamnation. Et le sujet de l'inscription de sa condamnation, c'est le roi des Juifs. Là, il a été élevé au rang des plus grands, comme on lit dans Ésaïe 53. Donc il a été fouetté, on a vu, on a passé rapidement. Au moment de la croix, vous avez 7 paroles de Jésus à la croix. Donc pourquoi m'as-tu abandonné? Voici ta mère, voici ton fils. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un cri terrible. Hein. On est là dans Ésaïe, dans Marc 15, verset 34. À la 9e heure, donc 6 plus 9, 15, on est en plein milieu d'après-midi. Jésus s'écrie d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez un petit peu le déchirement pour Jésus. Le Père et le Fils sont unis de toute éternité. Et même Christ, en étant incarné en tant qu'homme, a toujours connu cette unité avec son Père. Donc Jésus, il est 100% homme et 100% Dieu. Et à un moment donné, il sent qu'il est en train d'incarner, non seulement dans sa nature humaine, la totalité du poids des péchés. On peut relire juste Ésaïe 53. Je vais relire simplement Ésaïe 53, quand il dit ce sont nos souffrances, méprisés, abandonnés des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, c'est ce qui s'est passé. Des gens l'ont abandonné, on l'a dédaigné, on n'a fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, qu'on est sauvés. Et là, vraiment, à ce moment-là, Jésus incarne tout le poids du péché des hommes, de l'humanité, de toute l'humanité. Alors, peut-être que dans l'avancement du texte, il y a déjà, quand il dit « semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie oui. », il y a deux fois, alors déjà Pilate, quand Pilate interroge, il dit à Jésus « pourquoi tu ne réponds pas ?» oui. Jésus ne répond pas. Non. Hérode aussi, « pourquoi tu ne fais pas des miracles ?» en fait, il reste silencieux. Alors que quand il est arrêté dans le jardin, on a un moment où tu as toute une garde qui est là. Et tu as qui cherchez-vous. Et quand il dit c'est moi, tout, voilà. Il y a une puissance. Tous les gardes tombent à terre. C'est-à-dire oui. que dans sa parole, il y a une puissance pour arrêter tout. Oui. Et pourtant, il décide de ne pas ouvrir la bouche. Moi, oui. je trouve que c'est un des passages les plus difficiles pour moi à la croix, c'est de dire. Que on verra hein, les étapes, comment il est au fur et à mesure humilié dans toute son identité. C'est de te dire que, en fait, tu sais que c'est injuste. Tu as le pouvoir, en disant un seul mot, il a le pouvoir de créer le monde avec, avec la oui. parole. Hein. Oui. Et ben, il refuse et il reste dans cette posture de l'agneau qu'on mène à la boucherie. Et je trouve ça... je trouve qu'Ésaïe, quand il le dit, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas possible, en fait, humainement parlant. Oui. C'est que si tu as la capacité d'agir... et que tu refuses d'agir alors que tu es accusé injustement, c'est incompréhensible dans la logique humaine. Oui. Et je trouve que ça m'a révolté au départ de me dire, mais si tu avais ouvert la bouche, tu n'aurais pas subi tout ça. Mais en même temps, si tu avais ouvert la bouche, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui. Et je ne pourrais pas avoir le salut exactement. Sans ton sacrifice. Donc il y a vraiment cette notion de victime expiatoire, volontaire, qui n'utilise pas le pouvoir qu'il a parce qu'il sait que c'est un sacrifice par amour. Tout à l'heure, on disait qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est clair que l'histoire de Christ qui monte à la croix, personne ne lui ôte la vie. C'est lui qui le dira, moi, j'offre ma vie, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Donc en fait, quand on lit le texte, hein, on est dans l'Évangile, si vous lisez le texte, vous voyez en fait les hommes se saisir de Jésus et le poursuivre
et l'entraîner. Donc, Pilate, le Sanhédrin, battu, il est malmené, il est enchaîné. On l'emmène devant Hérode, on le malmène, on l'emmène devant Pilate, on le châtie. Donc, il a été flagellé et on l'a vraiment complètement brisé dans son corps. Pourtant, il ouvre pas la bouche, il reste comme ça. Et en fait, il dit personne. Quand vous lisez le texte, vous avez l'impression que cet homme qui est là, c'est une humiliation. Il est dominé. Il subit les coups parce que en fait, il n'a pas le moyen de réagir. Sauf que c'est tout l'inverse. Il a la puissance de réagir. Sa parole est tellement créatrice que quand il dit « c'est moi », il y a comme une force en fait qui va repousser, qui va faire s'écrouler tous les hommes. Et il faut qu'il garde le silence. Parce que s'il parle en disant « c'est moi », c'est comme si d'un coup, il y a une puissance de vie qui sort. Et il faut qu'il aille à la croix porter le péché du monde. Il faut qu'il se taise. Exactement. Effectivement, on le voit comme cet agneau d'un seul coup qu'on prend, qu'on mène comme ça, et des fois malmené. Je ne sais pas si vous avez vu quelques images des fois de choses qui se passent dans les abattoirs où on prend les animaux et c'est pas doux parce que de toute façon, il va à la mort. Et même quand vous prenez les récits, Deuxième Guerre mondiale, quand vous voyez un peu comment certains ont été brisés pendant la guerre, encore aujourd'hui, sur la guerre qu'il y a un peu partout, que ce soit le Vietnam, que ce soit toutes les guerres qu'il y a eu à droite, à gauche, etc., vous voyez vraiment que les hommes, quand ils se déchaînent sur un homme, c'est une tuerie monstrueuse et les hommes sont brisés complètement de l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans la définition, quand semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, il n'a pas ouvert la bouche et il a vraiment payé le châtiment, c'est qu'on a vraiment la description du sacrifice dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'Ésaïe connaît les méthodes de sacrifice de l'Ancien Testament, où quand on emmène... alors nous, c'est vrai que les Juifs ne font plus aujourd'hui, on voit plus à un moment ce pardon acquis par le sacrifice d'un animal. Oui. Mais dans toute la pratique, il y avait la personne qui sacrifiait devait faire un avec le sacrifice jusqu'au moment ultime, parce que pour montrer que ça avait que le péché, c'est pas léger, c'est pas anodin. Il y a quelque chose qui coûte. Et ça le coûte la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Exactement. Et ça coûte la vie de cet agneau. Mais il y avait une espèce d'appropriation de cette mort en disant la personne, le sacrificateur, il sentait toute la violence de l'acte qui coupait une vie à cause du péché quand il intercédait pour le peuple. Oui. Et donc, on a vraiment aussi ça qui ressort, c'est-à-dire que dans ce texte d'Ésaïe, toutes les notions du sacrifice pour effacer le péché sont définies comme les lois de l'Ancien Testament, les lois sacrificielles de l'Ancien Testament. Et on voit qu'il est que ce sacrifice-là, il dépasse les autres puisqu'il porte pas seulement le péché d'un homme, mais il porte le péché de tout le monde, de l'humanité, de toutes les nations. Donc, quand on dit du monde, c'est le péché de tout le monde d'aujourd'hui, mais de toute l'humanité depuis que l'homme est homme. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une génération aujourd'hui, ce n'est pas au moment où Jésus meurt à la croix à Jérusalem. C'est, oui, là, mais toutes les générations avant, toutes les générations d'après, tous ceux qui regardent en Christ ce Sauveur qui, mourant à la croix, porte le péché du monde, c'est comme s'il y a un transfert de notre condamnation, de tout ce qui est moche en nous, qu'on appelle péché, des conséquences du péché, qui est comme transmis, en fait, qui reste en fait attaché à la croix. Et lui meurt à partir du moment, comme dans l'Ancien Testament, il y avait cette élévation avec ce qu'on appelle le serpent d'airain. Alors on va aller vite. En fait, les hommes mouraient à cause de serpents qui les brûlaient. En fait, quand serpents les mordaient, ils savaient que très rapidement, ils mouraient. Et en fait, le moyen de salut, c'était de regarder une perche qui avait été faite. Tous ceux qui, par la foi, regardaient la perche avec cette intention de délivrance, en fait, étaient libérés. Et là, de la même manière que dans l'Ancien Testament, il y avait serpent, Jésus a été élevé dans l'humanité, dans le monde, et tous ceux qui voient en Jésus celui qui porte le péché du monde sont en fait libérés de ce poids du péché. Ce qui nous dépasse, hein. On se rend compte que là, on est devant quelque chose qui est divin, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Dans la mort en fait, de Jésus, alors, par la comparaison avec Ésaïe 53, c'est qu'il est mis au banc des accusés, premièrement, donc on est dans Marc 15, 14, est-ce que vous voulez qu'on relâche Jésus? Non, alors lui, non, crucifie, on relâche nous Barnabas. Et en fait, comme le peuple qui est là, en fait, et celui qui est avec violence, en fait, Pilate va, en fait, pour satisfaire la foule, non seulement va relâcher Barabbas, mais va faire fouetter, en fait, va faire vraiment fouetter Jésus
en espérant qu'en voyant cet homme complètement brisé, ça suffirait. Donc tout le monde regardait Jésus, qui est en sang, qui est complètement détruit à cause des coups de fouet qu'il vient de recevoir, des coups de flagellation. Donc on n'arrache pas seulement un coup de fouet, s'il y avait des morceaux d'os, s'il y avait des morceaux de plomb, en fait ça brisait les os, ça arrachait la chair. Cet homme qui est ici est brisé, les gens détournaient le regard parce que c'était tellement dur physiquement de regarder un homme dans un tel état, en fait, que les gens détournaient le regard. Et on a exactement l'expression qu'on a là dans Ésaïe 53. Puis après, il va être élevé au milieu de deux brigands. Donc on va encore une fois retrouver l'expression d'Ésaïe 53 qui veut dire qu'il a été mis au banc des accusés. Mmh. Puis après, il y a un homme qui va venir réclamer son corps. Et puis d'un seul coup, on va le mettre au tombeau des riches. Des riches. Et pareil, quand on le prend, le tombeau qui avait été creusé dans cette galerie qui est à Jérusalem, là au pied du mont Golgotha, il n'y avait que les riches qui pouvaient espérer en fait une inhumation, une mise en terre de cette manière-là. Et on va embaumer Jésus, ça c'est les riches, il a été embaumé d'avance avec Ésaïe 14 ou Marc 14, où on a vu qu'il y a Marie qui va vraiment briser le vase et puis va répandre le parfum, embaumé d'avance, mais mis au tombeau comme les riches. Et toute l'histoire qu'on lit là dans Marc 14, 15, la crucifixion de Jésus jusqu'à la fin, c'est textuellement ce que en fait Ésaïe a décrit. Exactement. Et il y a aussi une similitude qui est forte, c'est que le Messie avait le seul qui avait les trois fonctions, roi, sacrificateur et prophète. Oui. Et en fait, ce sont trois charges non transmissibles qui étaient non cumulables en fait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que ces trois personnages, la royauté était connue. La partie sacrificielle, donc le clergé qui était là, donc avec les Lévitiques, était connue. Et la partie prophétique, en fait, était séparée. Donc ces trois missions, ces trois charges qui étaient dans l'Ancien Testament, qui étaient repérées, étaient exercées par les hommes qui le faisaient au prix de leur vie. Ça n'est pas ce qui faisait qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il y avait comme un espèce de retranchement qui était là. Et on ne pouvait pas, en fait, compiler, en fait, cumuler les trois charges. Ça n'existait pas. C'est et ça. Par contre, le Messie, il cumule les trois charges. Il a les trois fonctions et les trois charges. Et dans Ésaïe 52, 13 jusqu'à 53, on a bien les trois charges. Oui. On a l'aspect le sacrificateur et... Il porte le péché. Le péché, qui devient la victime expiatoire, mais qui intercède aussi pour le peuple. C'est dit. Oui. Et il intercède pour les coupables dans la fin d'Ésaïe 53. Donc il est à la fois... Il est l'objet plus le sacrificateur qui va intercéder pour le... Absolument. Il est l'objet du sacrifice, mais il est le sacrificateur. Oui. Il est aussi le roi, puisque quand on voit dans Ésaïe 52, verset 15, oui. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'il ne leur avait point été raconté. Et donc là, on voit qu'il est au-dessus de tous les rois. Oui. Donc il est bien roi, puisque aucun roi ne s'agenouille devant quelqu'un d'autre qu'un autre roi. Donc il a cette fonction royale. Et il a aussi, on voit au verset 15 de Ésaïe 52 aussi, car ils verront et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. On a du coup la révélation aussi prophétique. Oui. Et on voit Ésaïe qui est un des prophètes les plus connus avec vraiment cet aspect prophétique en plus se réaliser 750 ans après. Et quand 650, on... oui. Pardon, 650 ans après. Et quand on prend Jésus, on a aussi les trois fonctions, même au moment de la croix. Oui. Celui-ci est roi des Juifs. Oui, c'est donc l'inscription qui était marquée, le fameux Imri, où on a effectivement donc dans trois langues, il y avait donc la langue hébraïque, le grec et le romain. Il est la victime expiatoire, mais le sacrificateur qui intercède, mon père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça, c'est la partie souverain sacrificateur. Et il a la partie prophétique, puisque quand il est en train même d'aller à la croix, il prophétise sur Israël, absolument, sur Jérusalem, sur les femmes, etc. Et on se rend compte que vraiment, cette fonction qu'Ésaïe a vue, en fait, se réalise en Jésus. On a parfaitement les trois éléments du Messie, et Jésus le réalise complètement quand il est aussi à la croix. Et on a vraiment une similitude intégrale des deux textes. Oui. C'est impressionnant. Hein. Alors. Et on a aussi, excuse-moi, vas-y. Mais on a aussi, comme, alors ça c'est un texte dans Philippiens 2:6 où Paul y reprend en expliquant pourquoi Jésus est venu, hein, toute l'œuvre de Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
oui. mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous vos genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et on a ce même ordre d'Ésaïe. Hein, au début, on a dit Ésaïe 52, il est élevé, il s'abaisse, il meurt, et Dieu le relève parce qu'il a porté le poids. Oui. Et du coup, il devient un sujet de joie. Et on a pareil à la croix, on a pareil dans la vie de Jésus. Il est descendu, s'est humilié jusqu'à la mort. Amen. Et il est élevé souverainement par Dieu. Alors là, je vais basculer dans Hébreux, en fait, pour peut-être aussi vous faire comprendre un petit peu les choses. Hébreux 9, 11, c'est Christ. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Mm. On disait, il incarne cette dimension. C'est-à-dire qu'il va porter souverain sacrificateur, représenter le peuple et rentrer une fois, donc dans l'Ancien Testament, rentrer une fois par an dans le lieu très saint, offrir le sang d'une victime pour que, en fait, le regard de Dieu soit propice et en fait que le peuple en fait ne meure pas à cause de ses péchés. Donc il est souverain qui porte en fait une cause devant Dieu. Et donc le souverain sacrificateur portait lui le péché de l'ensemble du peuple. Et là, il est clairement défini dans le livre des Hébreux. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Donc on fait référence à ce cheminement qui était dans l'Ancien Testament, là, dans cette maison qui était faite, qui est appelée le tabernacle. Plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc le tabernacle de l'Ancien Testament était une maison de toile, d'or, de bois, il y avait des tentures, il y avait des choses qui étaient là. Mais ça, ça a été fait de main d'homme. Et là, on dit, ce Christ qui est là, il est plus grand. Donc quand on met Christ, il est le choisi de Dieu, il est l'onction de Dieu, il est le Messie qui devait venir, il est le Fils de Dieu qui vient accomplir vraiment la mission. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et là, on voit que autant le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament rentrait et sortait, revenait une fois par an, autant là, il est marqué, il est rentré une seule fois dans le lieu très saint et il y reste. Et quand il reste dans le lieu très saint, il reste vraiment dans la présence du Père et de Dieu dans les lieux célestes d'une manière éternelle, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption qui est éternelle. Et là, en fait, on dit il obtient un rachat qui n'a pas besoin d'être réoffert encore. C'est-à-dire que quand Jésus, dans l'Ancien Testament, il y avait une espèce de sacrifice qui était en permanence demandé. C'est à chaque fois que quelqu'un péchait, il devait demander pardon et offrir un sacrifice. Jésus, dans un seul sacrifice, le sien, va couvrir le péché de tous les hommes, de toutes les générations et de tous les... Et en offrant un seul sacrifice, va être plus grand qu'un sacrifice perpétuel, mais il s'est offert lui-même au prix de son sang. Et là, on se dit, mais Seigneur, comment c'est possible ? Moi, j'ai été touché en préparant. Parce que ce qui m'étonne, en fait, c'est quand je lis ce texte de la croix, moi, j'ai fait le cheminement inverse. Je dois avouer que j'ai fait le cheminement inverse. Quand je lis l'évangile, j'arrive à la fin, donc Jésus est né, comment Jésus va faire son ministère, qu'est-ce qu'il dit, comment il partage, puis après, on arrive à la croix, on arrive au moment où il est lui-même celui qui s'offre en sacrifice. Le Père sauve, le moyen de salut, c'est le Père qui sauve en offrant son Fils, en donnant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui-même, il répond à l'appel du Père en s'offrant lui-même. Qui enverrai-je ? Envoie-moi. Et il s'offre lui-même en victime expiatoire pour porter et pour sauver un peuple. Et il s'offre lui-même, et d'un seul coup, en fait, et l'Esprit de Dieu va confirmer tout ça parce qu'il va vraiment agir. Donc les trois vont être là. Et quand Jésus s'offre en sacrifice, je regardais un petit peu ce cheminement avec du brisement, avec de l'humiliation, avec des choses. Et en fait, personne lui enlève la vie. Il offre sa vie. Il le fait volontairement, par amour pour nous. Il le fait par amour parce qu'il sait que nous-mêmes... Moi, quand Dieu m'a touché au début, quand je vois ça, je dis, moi, je suis désolé, je ne suis peut-être pas terrible, mais mon péché, pardon de le dire comme ça, ne mérite pas ou ne nécessite pas qu'un homme meure d'une manière aussi atroce et aussi moche. Est-ce que mon péché est aussi grave qu'il faut qu'un homme meure de cette manière-là ? Et en fait, quand on retourne le truc dans tous les sens... Même si j'essaye de faire mieux, je suis quand même qu'un pécheur. Sauf si, à un moment donné, j'accepte le sacrifice. Et Jésus, un jour, je discutais avec Dieu comme ça, je lui disais, ah là, ben, j'essaye de faire mieux.
Et puis Dieu m'a dit, bah, si tu es capable de faire mieux, bah, il n'y avait pas besoin que j'offre mon fils. Mais comme tu ne peux pas faire mieux, est-ce que le léopard peut enlever ses taches? Non. Alors toi, tu ne peux pas te laver. Il faut un détergent extrêmement puissant pour nettoyer le péché de ta vie et te changer. Et s'il n'y a pas la puissance de la croix, s'il n'y a pas l'onction de la croix, s'il n'y a pas l'action vraiment de Christ qui meurt à la croix, seul capable de te réconcilier avec le Père, tu ne peux pas vivre ça. Et quand j'ai lu ce texte-là, en fait, je vois toute l'image en fait, qui arrive. Et je me dis, en fait, OK, alors, Pilate, Hérode, on le renvoie, on le fouette, le centurion le prend, on lui fait porter la croix, on fait venir Simon de Cyrène, il va au bout, on le cloue. On a un très beau texte qu'on pourra vous passer sur les causes physiques de la mort de Jésus, qui a vraiment été documenté avec des médecins qui confirment tout ce que la Bible dit, même avec les grumeaux de sang, tout est confirmé au niveau médical. Donc un tel détail, on dit c'est pas possible que des gens qui n'ont pas la connaissance qu'on... Mais oui, il y a un tel détail. Puis quand je vois ça, tu dis oui, il meurt à la croix, mais pourquoi? Ok, factuellement, je vois à quel moment il meurt, comment les choses se passent, mais qu'est-ce qui se passe à la croix? Et c'est là où pour moi le texte d'Ésaïe 53 a vraiment une puissance qui moi me dépasse. Et moi j'aime faire vraiment le cheminement à l'inverse pour dire en fait ce que je vois en Jésus. Quand je lis Ésaïe 53, je me dis mais en fait c'est pour moi qu'il l'a fait. Et en fait tout mon péché, toute ma peine frappée de Dieu, il a été blessé pour nos péchés, il a été blessé pour mes péchés, il a été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Je peux tout mettre jeu là. Et en fait, je me dis, en fait, tout ce que tu as fait, Jésus, à la croix, c'est pour moi que tu l'as fait. Et c'est là la puissance. Il fallait que cette œuvre de la croix soit publique. Je trouve ça intéressant qu'Ésaïe, en fait, si Ésaïe avait écrit ce texte-là, en étant le chroniqueur de la journée, comme si aujourd'hui on a quelqu'un qui est un journaliste qui va faire la chronique. Et puis qui raconte les choses en disant « Tiens, il s'est passé ça, il s'est passé ça », j'aurais pas été choqué. Là où ça me choque, c'est que Ésaïe écrit ce texte-là 650 ans avant. On a eu une révélation de la croix telle que rarement personne, enfin rare, a eu une telle pertinence. Quand je lis Ésaïe 53, je me dis « C'est pas possible, Ésaïe, il était à la croix ». Il y a le psaume 22 aussi, où il y a une révélation de la croix. Donc psaume 22, refaites-le, si vous relisez le texte qui est là, mettez sur pause, lisez le psaume 22, c'est... un psaume fabuleux qui nous raconte encore vraiment « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» verset 2. Exactement le cri prophétique de Jésus quand il est à la croix. Sur Biche de l'or, « mon Dieu, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, la nuit. Je suis comme un ver, je ne suis pas un homme, l'opprobre des hommes. » Et le méprisé du peuple, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête et disent « Recommande-toi à l'Éternel ». Exactement. Ouais, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Est-ce que les pharisiens, est-ce que les religieux de l'époque ont dit « Si t'es Dieu, descends de la croix ». Il a sauvé besoin. Les autres, pourquoi il ne se sauve pas lui-même? Vous lisez dans ces textes, Ésaïe, enfin psaume 22, Ésaïe 53, vous avez une description de la croix qui fait que comment c'est possible que ces textes-là se rassemblent? Moi, ce qui me touche dans ce texte, c'est de me dire qu'il a tout subi, en fait. Oui. C'est pas seulement qu'il a une souffrance, c'est qu'ils lui ont enlevé tout ce qu'il avait. Bon, même s'il n'y avait pas grand-chose, ils l'ont dénudé, ils l'ont... Enlevé ses habits, voilà, tiré enlevé au sort. Ses habits, donc ils l'ont dépouillé. Ensuite, ils l'ont... dans ses émotions, quoi. Tout le monde l'a abandonné. Dans son âme, il a été touché. Le nombre de prophéties accomplies à la croix... les mains percées, aucun os sera cassé, et tout ça, vous l'avez, le sang qui sort de son côté, tout ça, ça s'accomplit dans les prophéties de tous les prophètes. Et au fur et à mesure en fait, de la croix, tu sens qu'il est atteint dans son âme, dans son identité, c'est si t'es le fils de Dieu, mais oui, il l'est. Oui. Mais il a décidé de ne pas ouvrir la bouche pour se défendre, alors qu'il l'est. Oui. Enfin, c'est comme si on t'enlève tout, puis tu sais au moins qui tu es, quoi. Et là... on te dit, mais t'es même pas Patrick Boudéen. Et tu dis, mais si, je suis Patrick Boudéen. Et bien, tu peux même pas te défendre comme ça. Non. Parce que si tu le fais, tu sais que t'arrêtes le processus. Donc, t'acceptes, même dans ton identité, d'être bafoué et d'être pris pour un rigolo. Et ensuite, l'ultime souffrance, c'est qu'au moment où il porte le péché, c'est que même Dieu l'abandonne. Enfin, lui, en tout cas. Et c'est d'ailleurs là où il pousse un grand cri, quoi. Parce qu'à un moment, la souffrance extrême, c'est que même son esprit, qui est pourtant l'esprit de Dieu, il va
avoir un temps où Dieu n'est plus là, c'est le psaume 22, hein, où il a l'impression que Dieu l'a abandonné, puisque le péché met une séparation. Et je trouve que il a, enfin c'est comme si c'est graduel quoi. Ça, c'est pas encore assez. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'il l'a, lui, il a fait un pacte avec son père pour dire j'y vais. Je réponds à l'appel. Parce que je réponds. Et dans 1 Jean 4:9, t'as l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu lui-même nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour le péché. Et en fait, c'est un pacte, quoi. Il accepte tout ça parce qu'il est OK par amour, quoi. Et je trouve que c'est... Enfin, une telle, pour moi, la croix, c'est la plus grande injustice de tous les temps. Oui. Injuste qui paye pour des injustes. Injustice pour, humaine. Pour, oui, justice humaine. C'est un juste qui paye pour des injustes afin de les justifier, quoi. Mais ça me... Je me dis, c'est fou, quoi. Jean 20, 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Je me permets peut-être de vous dire ces choses. Vous avez lu la croix. Vous avez lu Ésaïe 53. Vous laissez dans votre cœur méditer, passer le texte, prenez le temps, relisez le texte, méditez sur ces choses, lisez le psaume 22. Quand vous voyez l'atrocité qui est en train de se passer ici, est-ce que vous croyez vraiment que Jésus a vécu tout ça, que le Père a planifié tout ça, pour que dans notre vie, il y ait juste un saupoudrage de quelque chose d'amélioration ou avec un petit peu de mieux ? Je crois, les amis, qu'il ne faut pas qu'on passe à côté de la puissance de la croix, de l'impact de la croix, de la puissance du sacrifice de Jésus. Ces choses ont été rendues publiques, elles ont été faites devant tout le monde, devant les autorités, autorités politiques, autorités religieuses, devant les hommes, devant tout le monde spirituel. Et Jésus a fait cela pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres de péché, pour détruire l'ennemi de nos âmes qui s'appelle la mort, pour détruire ces choses. Il est livré en spectacle. Il n'y a pas un sujet de vie dans lequel la croix ne puisse pas avoir une puissance d'action, de transformation, de restauration, de renouvellement. Il n'y a pas une œuvre. Si Jésus a dû subir tout ça, ce n'est pas pour que dans nos vies, on porte nos casseroles, pour qu'on se débatte avec des choses où on est en permanence subjugué, ou en tout cas en permanence sous un esclavage d'addiction, d'humiliation, de domination. Dieu est venu pour nous donner une destinée éternelle. Et je vous le lisais, il est venu pour nous ouvrir à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et le Fils de Dieu, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a bien un endroit où tout peut être transformé, c'est vraiment la croix. Amen. Et quand on lit ces choses, on ne peut pas passer, après Ésaïe 53, à ne pas comprendre l'impact qui est en train de se dire là, de porter nos difficultés, nos souffrances. Parce qu'il a dit, moi je suis venu pour vous rendre libre. Le salut, dans le mot salut que Dieu est venu donner, vous avez les mots comme guérison, comme délivrance, comme transformation, comme rachat. Le rachat, c'est quand vous avez été esclave, vous êtes racheté pour la liberté. L'Esprit de Dieu, il est venu vous mettre dans la liberté. Le salut de Dieu, Dieu est venu pour nous donner la liberté. La liberté, c'est quoi ? La liberté, c'est cette dimension spirituelle dans laquelle on a un Père dans le ciel, on est ses enfants, et on a tout est à toi. Et on va faire le lien avec les paraboles qu'on a données dans les dernières fois avec Luc 15. Tout est à toi. Pourquoi est-ce que je reste pétri avec des choses où je suis complètement dominé ? Je n'ai pas le temps pour donner des centaines de témoignages de gens qui instantanément, la peur les a quittés, l'angoisse les a quittés, l'humiliation a été transformée, des gens qui ont retrouvé une dignité, une posture, une identité, qui ont été relevés, des vies qui ont été brisées, des corps qui ont été brisés, des gens qui ont vécu des humiliations, qui, parce que la croix est passée par là, parce que la puissance de ce texte prophétique d'Ésaïe 53, il a enlevé toutes les angoisses. Et à cause du travail de son âme, il a rassasié les regards. Imaginez un petit peu ce qui se passe, la puissance par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Imaginez que dans ce qui se passe là,
Dieu te dit, tu peux repartir libre. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Amen. Moi, je voudrais finir en disant que, en fait, qu'est-ce que Jésus a dû vivre ou perdre pour que toi, tu gagnes ? Et vraiment, à la croix, Jésus a dû vivre la haine et le mépris pour que toi, tu connaisses un amour inconditionnel. Il a dû subir une séparation pour que toi, tu vives une réconciliation. Il a dû faire face à des accusations pour que tu obtiennes le pardon. Il a dû faire face à l'agitation, au tumulte, pour que tu aies aujourd'hui la paix et le calme en lui. Amen. Il a dû prendre sur lui un châtiment pour que tu obtiennes une grâce divine. Et il a dû vivre la mort pour qu'aujourd'hui, tu puisses connaître la vie. Et la croix, c'est vraiment quelque chose où Jésus a accepté de perdre, en tout cas en apparence, pour que toi, tu gagnes une vie en abondance. Amen. Donc, moi, c'est vraiment ce que je retiens de la croix. Et merci Jésus pour la croix. Oui. Et merci Seigneur pour tous ceux qui ont écrit d'avance. Imaginez, 650 ans en avance, Il révèle les choses. Et de tout temps, Dieu a révélé d'avance. Il veut nous pousser. Dieu nous cherche. Son amour nous cherche. Son amour te cherche. Et Dieu veut vraiment une vie complètement renouvelée. Alors, dans quelle mesure ? Il y a plein d'éléments qu'on pourra voir. Mettez vos commentaires, mais venez avec des questions, envoyez-nous vos réflexions. On est là aussi pour encourager, pour vivre les choses. Merci Nathalie pour le travail aussi, pour les échanges. Il y a toute une équipe, hein, on n'est pas tout seul, il y a toute une équipe qui travaille ici pour qu'on puisse réaliser ces émissions. Et en tout cas, la puissance de la croix, si Dieu a dû faire passer et offrir son Fils, c'est qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais en faisant ces choses, il a mis sur toi une destinée éternelle et il veut qu'on vive pas en dessous de ce niveau-là, il veut qu'on atteigne ce niveau. C'est comme ça qu'on pourra remercier Dieu le plus, c'est pas de vivre en dessous de ce niveau-là, c'est en trouvant le moyen dans l'intimité avec Christ et avec Jésus, en fait, d'aller jusque-là avec lui. Prochain défi ? Oui, prochain défi. Donc, dans la continuité après la croix, nous allons parler de la grâce. Amen. Et on vous invite à étudier Éphésiens 2 et à partir de ce texte-là, de nous dire qu'est-ce qui définit la grâce dans ce texte. Donc, cherchez, fouillez. N'oubliez pas, on cherche le contexte, on note tout ce qui nous interpelle sur le texte et puis après, on creuse. Qu'est-ce qui, dans Éphésiens 2, définit la grâce ? À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.